Et salut à tous, c'est Tank, et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 17 sur Payday 2. Je sais que c'est pas Noël, mais sauf que c'est des masques que je ne vous ai pas encore montrés, donc je les prends. Aujourd'hui donc on se retrouve sur l'épisode 17 pour faire donc la map ChainGuard, donc Watchdog en anglais. Vous verrez plus souvent Watchdog que ChainGuard d'ailleurs, hein, tout le monde joue en anglais, mais moi j'ai décidé de le mettre en français, j'ai envie, c'est comme ça. Alors, pour commencer la map, je vais la faire en dodge, parce que j'ai envie de tester un petit peu mes compétences dodge qui sont vraiment nulles. Donc pour ça au niveau asset, eh ben, je vais prendre l'asset dodge, qui est bien celle que j'ai prise. Donc en fait je vais pas la faire en dodge, parce que ça pue carrément la merde. Non je sais pas, faut que je vois un truc. Non parce que ce qui s'est passé c'est que je l'ai testé, je me suis dit tiens j'ai pas les bonnes compétences. Et en fait j'avais les bonnes. Où sont mes compétences pour pouvoir... Ah mais c'est celle-ci. Pour pouvoir prendre comme il se doit ce que je veux. Est-ce que techniquement, si je prends les steals, est-ce que au moins les sacs j'irai plus vite. Run and gun, tout ça. En soi, ça me permettrait. Ouais, si. On va la faire plutôt en. Faire en load, load. Donc, je vais changer de l'équipement dans le coup parce que j'ai envie de changer un peu l'équipement. Parce que je sais au moins je serai plus serein avec ceci qu'avec mes équipements d'autres, parce que normalement c'est pas le cas. Alors oui, vous voyez maintenant on a un onglet grenade parce qu'on peut prendre aussi les cocktails Molotov qu'on peut avoir dans le mode pack, dans le pack plutôt d'armes PBQ. Qui pour le moment je n'ai pas pris, que je prendrai peut-être mais ce n'est pas sûr. Voilà donc c'est des oui peut-être non. Hein. Vous avez l'habitude. Donc je vais prendre ceci au niveau masque personnel, ça c'est bon. Voilà. Et donc on va partir sur la map chien de garde, donc Watchdog en très difficile. Alors pourquoi pas la prendre au-dessus? Parce que déjà j'ai l'IA qui est donc pourrie. Et parce que je vais juste prendre un niveau, j'en veux pas prendre plus, donc on part là-dessus. Alors Watchdog, donc ce... Vous savez souvent dire Watchdog d'ailleurs, se déroule donc sur 2 jours. Qui sont, on va dire, pareils. C'est-à-dire que c'est de l'assaut sur les 2 jours. Et il va falloir donc survivre à l'assaut, bien évidemment. Je regarde, oui, ça c'est bon. Au niveau des avantages, je vais prendre l'évasion blindée pour pouvoir sortir plus vite de cette première journée. En espérant que ça marche, que des fois, en fait, on la prend trop tard et ça merde. Les muds, les medics. Et je vais prendre quand même les grenades parce que j'ai vu en testant qu'en fait, il peut y avoir quand même pas mal de shield déjà dès le début. Donc, on est parti. Hawkshead initialized. Alors, juste dans cette map, eh ben, faut pas s'inquiéter. Voilà, c'est là, ça c'est mieux. Logiquement, on devrait avoir dès la sortie 3, 4, 5 shields. Je crois qu'ils sont 4. Alors, ouais, je les mets. Après, je les cale tous dans un coin. C'est volontaire. Alors, attendez bien les shields qui s'écalent. Et donc là vous fuyez, hein. Très clairement on fuit directement. Alors là ouais je vais prendre des coups, mais pour le moment il s'agit de fuir et donc voilà. Dans ce qui me mettre quand même à l'aise, sachant que je sais de toute façon il y a des shields. Voilà, là ils essayent de venir, mais je les en empêche. Ce qui m'arrange beaucoup, alors là c'est parti. Pour du transfert de sac. Alors je vais essayer de le faire bien. C'est-à-dire de faire en gros un travail à la chaîne. Même si je suis tout seul. On va quand même essayer de le faire. Oups, ça s'est un peu merdé celui-là. Alors vous avez vu le sac de coke là coûte donc 10 000. Bon, c'est pas beaucoup. Il faut savoir aussi qu'il nous en faut. Oh! Je l'ai vu arriver en plus. C'est ça le pire. Ah, par contre, je suis très très mal placé. Il faut vraiment que Shane aide Hoxton. Voilà. Donc là, on a entendu très très bien les snipers. Toi, je t'avais vu, mec. Hein. Faut pas croire. Aïe. Ouais, je dis aïe alors que je prends pas de dégâts. Alors, je les amène tous là-bas. Non, mais c'est bon là, les.
prendre le first kit. Double cloqueur, non c'est bon. Voilà, on va essayer de le réanimer rapidement quand même parce que j'ai besoin d'eux malgré tout. Donc là il nous dit que tout simplement il a 3 blocs de l'endroit où il doit venir, c'est-à-dire tout où on est. Parce qu'on a quand même voilà, un collègue qui vient nous emmener tout ce dont on a besoin. Et donc là j'ai entendu des snipers. Donc là on fait toujours attention parce que d'ailleurs je vais essayer directement de les balancer ailleurs. Alors pourquoi il est lancé là? Parce que en fait j'anticipe le fait qu'il arrive très très souvent par l'autre côté et que c'est souvent le cas. C'est peut-être pas le cas en fait. J'ai arrêté mes conneries. Je continue à faire mon transfert à l'habitude. Je vais plutôt les emmener là d'ailleurs. Donc vite on court. On court, on évite les balles. On prend les balles, on tire dessus aussi quand même parce qu'à un moment il faut savoir quand même leur tirer dessus quand il se doit. Voilà, et donc là bien évidemment quand vous avez pas les otages, enfin quand vous avez pas les assauts plutôt, il est où? Déplacer la coque. Hey, mais t'es où? Très bien, il est derrière, alors ça c'est vraiment l'endroit que je préfère. Alors il est soit derrière soit sur le côté, mais là on va essayer de le... De faire ça bien, donc là il a besoin de 4 sacs minimum. Vous pouvez bien évidemment en mettre plus, c'est bien évidemment ce qu'on va faire. Parce qu'on a quand même besoin d'un peu d'argent. Sur le cloqueur, hein, c'est bon. Allez, mais t'inquiète pas, Shane, je le fais. Alors, ça, c'est un problème. Je suis par contre de l'IA, vous avez pu voir plusieurs fois hein, dans mes missions que je me plains très souvent de l'IA. Parce que clairement l'IA est pourrie, de toute façon comme dans tous les jeux, vous allez me dire. Mais là c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. Ah ouais. Même si en fait là je suis pas très très doué. C'est vraiment une IA qui est buggée, qui est daubée. Daubée du cul d'ailleurs. Là c'est un peu moi qui suis daubée du cul. En fait, il faudrait que l'IA, on puisse quand même lui donner quelques ordres, lui dire par exemple, tiens, tu prends ça, tu prends les... Prends les sacs, emmène-les à tel endroit, parce que voilà. J'ai un sac sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah t'as raison, je suis une grenade ici. Taser, 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 taser mon cul. Laissez-moi prendre mes sacs de coke tranquillement. Bah oui, pourquoi en fait je veux juste un point. Il faut savoir que derrière je vais essayer de faire une map qui rapporte. Enfin derrière. Deux maps après, c'est de faire une map qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Et c'est certainement ça qui rapporte le plus de niveaux de ce temps. C'est donc la map train, la, celle qu'on avait logiquement que 15% d'avoir. Mais celle du train, de toute façon, la transport train. Parce qu'elle rapporte quand même pas mal d'argent. Enfin, surtout pas mal de... Voilà, et donc ça, ça c'est cool. J'ai pas pris de sac de coke. Donc là, c'est cool parce que, voilà, je transfère tous mes sacs. Puis c'est bon. Donc là il en veut 3 de plus, moi j'ai bien évidemment tous les transportés hein, parce que on va gagner un peu plus de thunes. Et vu l'endroit où je peux carrément le faire. Donc j'en profite. Voilà, Hector il en veut 2 de plus, donc pas évidemment il donne les 2 de plus. Hein. Là, là il est content, vous voyez ça coûte donc là 10 000 à chaque. Me rapporte 10 000 et cela me rapporte déjà beaucoup plus, c'est pour ça faites le là vous voyez c'est 130 000 c'est quand même plus à savoir que c'est je crois 615 ou ouais, c'est ça je crois 615 en
Quand vous êtes en Death Switch. Ou 400, je sais plus c'est combien. Donc le chauffeur arrive, ça on le sait. Hein. Et en fait voilà, donc là on sait que le chauffeur est là-bas, il est en blindé, donc je vais gagner surtout plus de temps, je vais essayer surtout de faire ça rapidement, parce qu'il faut savoir que maintenant qu'il sort en blindé, il va juste pouvoir résister plus longtemps. Mais pas forcément rester tout au fond, parce que là, bon... La fête, le blindé, normalement, nous permettra logiquement de sortir plus rapidement, donc là c'est K. Voilà, là il vient d'arriver. Les problèmes de l'évasion blindée, voilà, ouais. C'est que malgré tout, il faut quand même le tirer dessus. Donc là, voilà. Là, malheureusement, ils ont buté le mec qui aurait dû nous escape. Donc là, j'en profite, je vais ailleurs. Logiquement, donc voilà, on a en fait juste essayé de vous montrer, là, j'ai perdu trop de temps. Hop, et on a donc l'évasion blindée. Qui est ici, voilà, c'est le gros camion rouge. Malheureusement, mais c'est merdé. Donc là, on a l'hélico. L'hélico, il peut venir, il peut être à deux endroits. Soit il va atterrir ici, soit il va nous prendre plutôt ici, et soit il va nous prendre juste au-dessus. Ou en plein milieu, des fois, il nous prend d'ailleurs en plein milieu. Donc là, on a des tourelles. Aussi vite que possible, mais... Vu que là-bas je vois qu'il y a une tourelle, on va plutôt rester ici. Alors pourquoi c'est pour éviter la grosse tourelle hein. Je vous rappelle la tourelle qui va faire un max de dégâts quand même. Depuis qu'elle est arrivée, je vois vraiment que l'IA est vraiment. Je dirais utile, oui, entre guillemets, parce qu'ils vont se concentrer dessus. Mais l'IA va forcément rester alors qu'elle se fait tirer dessus. Et elle peut pas trop tellement se défendre, donc c'est un peu le problème. C'est même clairement le problème avec cette toile, c'est qu'il peut pas tellement se défendre, l'IA est et naze, oui il faut le dire. Donc là voilà, je fais de la survie. Je fais de la survie en attendant l'hélicoptère, logiquement l'hélico doit venir de à peu près où je suis. Ah non, c'est le con, je suis sur les boutons. J'ai pas vu dans combien de temps il était là. Il l'a dit hein, mais j'ai pas vu. Tiens, dans les jambes. Boum, headshot. Oh. Alors c'est des fois ils vont réussir à éviter mes balles. Bon, faut chercher non plus. Je suis pas non plus infaillible. Bleu. Infaillible. Donc là, ouais, j'ai la chance quand même qu'ils viennent pas beaucoup. Hein. C'est bien, c'est qu'eux par contre ils y vont quoi. L'IA ça fonce dessus hein, sur les shields, y a pas de soucis. Hein. Une minute, donc là on attend. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un. Quand vous êtes fait baiser comme ça, vous êtes obligé d'attendre, donc là vous perdez 3 minutes. C'est pour ça qu'il faut quand même. C'est vrai que c'est. Elle est plus rentable en multi. Surtout niveau rapidité en fait. Où est le taser? Secondes. Yo. Donc là pour le moment, le sniper, elle assez très bien ça, vous voyez. Là il finit et on sait que l'hélico va pas tarder à arriver. On va dire, il est déjà là. Soit il peut être là, soit il peut être là-bas à l'opposé ou partir là-bas. Du fil. Ah non, il va venir ici, c'est très bien ça. Voilà, je suis dans la zone. Ouais, la première journée n'est pas très très longue hein. Ouais, en plus là bon.
Elle est pas plus longue que ce soit en des Switch ou quoi que ce soit. Le temps reste le même. Donc bon, première journée effectuée, sans trop de problèmes. On a sauvé, si je ne me trompe pas, 12 sacs. Donc c'est-à-dire le maximum. Vous aurez de toute façon toujours 12 sacs. Hein. Là, on va prendre pareil tous les assets. Il y a le sac de mun, le sac médic et le sac de grenade. Ça, c'est une question en fait qui peut. Ok, qu'il est là en fait. D'accord. À l'opposé de nous en fait, techniquement. Donc, ça, c'est bon. Et là, c'est pour dire où sont les sacs et tout. Donc, ils sont à l'intérieur. Très très bien placé. Le sac de grenade, pareil. Je garde le même équipement. Parce que ça marche très très bien comme ça, j'ai pas de problème, il n'y a pas tellement de snipers en fait, donc je peux garder pour avoir de la mune. Et donc là on est parti, c'est-à-dire que cette fois-ci on sait que le pick-up il s'est fait attaquer, donc on fonce en direction du pick-up. On est forcément tiré, on a tiré un petit peu loin. Et donc là ce qu'il faut c'est surtout qu'on récupère nos 12 sacs. Donc là on est parti, bon, à savoir que moi je vais prendre directement celui-ci parce que là je suis tout seul, donc je sais que les assauts vont venir très rapidement. Alors techniquement je vais pouvoir en sauver que 9 sur les 12 que je vais prendre, enfin essayer de récupérer. Ça va, j'ai de la chance pour le moment. Le taser. Alors par contre, c'est la, je crois que c'est la première fois que je la fais deux jours. D'habitude, cette map, elle est deux nuits. Là, c'est peut-être parce que, en fait, d'habitude, c'est pas ce niveau de difficulté là que je prends. D'habitude, je la fais en overkill. Viens avec moi, toi. Comment ça? J'ai eu chaud, j'ai failli buter le civil. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner du temps. On va aller directement activer tout ça parce que en fait, faut quand même qu'on gagne du temps là-dessus. Donc là, on est parti. Hop, on branche l'électricité. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on reste en vue jusqu'à l'arrivée du bateau. Donc là, on est parti. Hop, je envoie les sacs. C'est encore du transport de sacs. Hein. Donc là, je suis tout seul, donc c'est lent parce que justement, il n'y a que moi qui m'occupe de ça. Bon, c'est pas tellement grave. Ça l'est quand même un peu parce que on perd du temps, mais bon, le bateau va mettre du temps à arriver. Cloqueur de merde. Le problème, c'est qu'ils s'en vont quand même là-bas aussi, vous voyez. Ça s'en va avec mes affaires, ce que moi je n'aime pas. Allez Clover, on se lève rapidement. Donc pour cela, bien évidemment, si le sniper fait son boulot, hein. Ça, y a pas de souci. J'ai moins de soucis avec le sniper qu'avec avec Clover ou Wolf. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le sniper qui est là aussi. Hein. Donc le sniper, il va, bon, il va prendre pas tirer très très souvent, mais quand il va tirer, au moins il va faire une mouche. Et c'est toujours ça en moins. Donc là, quand vous êtes en multi, il va toujours, enfin, quand vous avez de la chance, vous êtes souvent un technicien. Et donc, soit le tech, il a soit des mitraillettes, soit, enfin, des tourelles, soit du C4. Alors, quand c'est vous, hein, faites-le, franchement. Et ben, vous les mettez à côté de l'endroit où vont stocker voilà. Vous allez stocker toutes les coques. Bon, on s'en gaffe. Si vous êtes en tourelle, ben vous en mettez une, je pense, là. Et une presque au niveau du camion.
du pick-up, ça doit être tranquille. Celle par contre en C4, faut les éparpiller dans le bâtiment. Pas les mettre côte à côte, ou sinon vous les mettez côte à côte, mais le problème c'est que vous avez vu dans le jour 1, quand j'ai tiré le grenade dedans, ça les a séparés. Pour le taser, tu vas prendre trop cher. Et donc là voilà, maintenant vous stockez ici, et de toute façon vous savez que ça peut arriver sur... enfin ça va arriver par bateau. K8, K8 c'est celui qui est en face. Si je me trompe pas. Très bien. Ouais, le K8 c'est celui qui est là, donc là le bateau arrive. Et il va falloir en mettre 4 dedans. Donc là, hop, attends, ça valide. Donc là, vu que de toute façon c'est un peu chaud, hop. Je vais continuer à prendre mes sacs, j'en ai déjà mis un. Donc quand vous êtes à 4, bah c'est très simple, hein, à 4. Chacun prend son sac et vous faites qu'un seul tour. Ce qui permet justement de gagner du temps. Là, je suis tout seul, donc je vais forcément valider tout seul les objectifs. Mais surtout, c'est que je ne pourrai pas piquer tous les sacs. Je vais pouvoir en tour piquer que 9. Au lieu d'en piquer 12. Donc on va manquer un peu d'argent. Hop. Donc là, elle arrivera après, mais soit en 8, soit en 9. Et bon, ça c'est cool. Shootez ce taser, shootez-moi ce taser. Clover, t'es où? J'aime pas quand je me prends prendre par les tasers comme ça, c'est vraiment le plus chiant. Donc là, de toute façon, vous restez pas ici, hein. Quand vous faites attaquer, quand vous avez emmené les sacs, déjà, vous restez pas où je suis parce que c'est n'importe quoi. Hop. Vous allez directement vers le haut. Comme ça, mais vous pouvez couvrir justement vos sacs. Vous voyez que là, ça se fait emporter. Donc hop, foncez dessus. Toi là-bas, justement, je t'avais vu, espèce de salaud. Donc là, on peut partir. Allez, mais... là on peut partir, mais c'est pas ce que je veux faire. On va essayer de sauver un maximum de sacs. Donc là vous voyez, on a la possibilité d'échapper. Donc vous n'allez pas dedans. Aïe. Là, on va aller prendre. Mince, le medikit, il est où? Il est là. Je l'ai pas pris, comme un con. Donc là, en solo, bah, vous mettez encore. Vous gardez vos sacs, vous attendez que le bateau re-arrive. Ça ne serait tardé. Vous pouvez fuir justement avant que le bateau arrive. Je comprends pas, là il y a un colis, un petit colis rouge. Le bateau arrive, donc là je l'ai entendu, hein. C'est pour ça d'ailleurs je... Mais où est-ce que t'es toi, espèce de taser?
Donc là, je vais essayer encore d'en sauver 4. J'ai plus le go. Ah, j'ai plus le go. Ah, ils sont deux aussi, les tasers. Ils mettent par deux, quoi. Là, ouais, je vous dis, c'est clairement, là c'est l'assaut, hein, c'est de l'assaut. Non, c'est deux, c'est mince. Donc là, je suis à 3. Mince. Je vais venir prendre le dernier. Je suis à 4. Je sais pas s'il refait un tour ou pas. C'est ça tout ça le truc. Logiquement non, à moins qu'ils l'ont changé, qu'ils puissent refaire un tour. Logiquement. Logiquement non. Je suis un peu ouf. Un peu low mine. Hop, je vais permettre de reprendre. Je vais justement voir si je fais pas un autre tour. Eh bien, à l'heure actuelle, je suis à qu'à 10 minutes. Hein. Le premier jour a duré 12 minutes, je vais dire 10. C'est pas énorme. Je sais pas, parce que si je refais un tour, parce que ça m'arrange. Comme ça, je vais pouvoir tout sauver. Alors que si je fais pas de tour, et ben, je peux pas tout sauver. Allez, je veux les grenades. La troisième. Ils ont changé la plaque. Avant, c'était des grenades, vraiment. Là, c'était un casse de grenades. Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il refaisait un tour. Donc, on va attendre, on va bien voir. Je sais que moi, j'ai jamais attendu parce que il me semblait qu'il n'en faisait pas que 3. Qu'il faisait pas de troisième tour. Et aussi parce qu'en général ça devient de plus en plus chaud, donc vous partez. Surtout à 4, en fait, ce qui se passe, c'est que je vous rappelle, quand vous partez avec un sac, votre sac est validé. Hein. Donc si vous partez, vous êtes à 4, vous attendez qu'il arrive deux fois le bateau, et au troisième fois, enfin, une fois que les deux sont faits, vous partez avec un sac sur vous, et c'est bon, c'est réglé. Je suis en train de tirer à côté. De premiers soins, alors je rappelle juste pour les kits de premiers soins, enfin vous utilisez entre pour gagner toujours, essayer de rester à 3 en fait à 3 vies hein. Les grosses c'est quand vous êtes un écran gris normalement ou 1, moi je sais que là j'ai utilisé quand j'avais qu'une vie. Ouais, le bateau il revient maintenant, ça c'est cool. Donc je vais les sauver, je vais tout sauver, et ça c'est vraiment cool parce que c'était pas le cas avant. Ah, moi j'avais dit un truc, heureusement que les ennemis renvoient pas les grenades. Je pense que ce sera certainement ajouté. Ce qui c'est cool d'avoir ceci ajouté pour nous dans l'assaut. Voilà, et là j'ai donc sauvé mes 12 sacs et je fuis bien évidemment, je peux fuir, je fuis. Alors quand vous êtes en A4, vous gagnez 3 minutes hein, sur cette mission. Ce deuxième jour, hein, c'est quand même bien mieux, et là, c'est vrai qu'on sauve pas mal d'objets volés, ce qui est plutôt cool, vraiment cool. Alors, un peu plus d'argent comme ça, ça va être bien. Le petit million qui fait plaisir. Donc là, l'XP pour gagner le niveau que je voulais gagner. Voilà, comme ça, je gagne mon niveau. Et c'est cool. Ok.
Bon, ben ça, je l'avais déjà. Donc, la semaine prochaine, avant, enfin, la semaine prochaine, c'est n'importe quoi, vu que c'est un mardi, hein, le samedi, pas forcément de semaine. Donc là, ce que je veux, c'est tout simplement passer, voilà. J'ai enfin les 8 points qui me permettent ici de prendre donc ce CME pour pouvoir ouvrir les portes, ça va être plutôt cool. Ah oui, c'est vrai que ça, je l'ai jamais pris, hein. Et donc là, je vais prendre celui-ci que je voulais absolument. Voilà, et là, j'ai plus 400 000, donc c'est plus beaucoup. Ça, au moins, je l'ai obtenu. Là, en gros, mon arbre skills est bouclé, entre guillemets. Vous pouvez prendre après, justement, les perceuses, on sait jamais. Ça peut être utile. Bref, je vous retrouve donc dans le prochain épisode où on ira faire un casse de transport. Je sais pas lequel, je vais voir, mais certainement le tunnel. Bref, à le prochain épisode et bon raquage à tous. Salut!